Je suis Harold Herman, je suis photographe. J'aime allier dans mes images mon goût pour la philosophie, le théâtre et le cinéma à travers des tableaux symbolistes en très grand format. J'ai commencé par faire des études de médecine et en parallèle, j'ai essayé plusieurs expériences artistiques dans le domaine du théâtre, dans la peinture, la sculpture, et ça fait quelques années maintenant que je fais des mises en scène photographiques. J'ai commencé par des photos de voyage où je tentais de capter la beauté où je la trouvais, et puis ensuite je me suis dit que cette beauté, j'avais envie de la créer. Donc un travail en studio avec ces grandes mises en scène, et ça a été le début de mes expositions en galerie et dans des salons. J'avais 10 ans et avec la classe nous étions allés dans un musée et j'avais été très marqué par une image en très grand format justement. Je me souvenais juste qu'il y avait plein de personnages dessus et il y avait Napoléon. Et c'est bien plus tard, une fois adulte, qu'en faisant des recherches, je me suis aperçu que c'était le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David. Et c'est ce qui a probablement marqué un petit peu mes envies de faire des grandes fresques. Et de pouvoir réaliser ces grandes fresques en photographie. Alors je commence toujours avec une idée, un concept, un dilemme que j'essaye d'imager. Et je commence à faire un dessin. Sur ce dessin, ensuite, je vais placer des lumières, des couleurs. Le but, c'est que ce dessin soit une représentation de cette idée. Ensuite, dans un second temps, je vais chiner des objets, des accessoires et constituer le décor. Je choisis une équipe qui, le jour du shooting, sera présente, que ce soit des modèles, maquilleurs, coiffeurs, assistants pour les lumières. Et puis, le jour J arrive et on essaye de capter l'image qui a été dessinée. Une fois qu'on a cette image qui a été captée, j'essaye de laisser cours à un peu d'improvisation, des modèles où je prends des idées de l'équipe qui est sur place pour avoir des images complémentaires. Pour le choix des modèles, j'aime allier des modèles professionnels et non professionnels. Donc ça peut être des personnes de ma famille, de mon entourage, des amis. Et puis, de temps en temps, pour certains projets, j'ai besoin d'avoir une identité visuelle très forte. Récemment, sur un projet, j'avais besoin de statues grecques, d'hommes très sculptés. Je n'en avais pas dans mon entourage. J'ai donc fait appel à des modèles professionnels qui se sont prêtés au jeu. Je m'appelle Julie Andrieux, je suis journaliste dans le domaine de la cuisine, de l'alimentation. Je suis également productrice, auteure de livres. J'ai commencé par faire de la photo dès l'âge de 18 ans. J'étais passionnée par la photo, mais à l'époque des dinosaures dans laquelle j'ai vécu, c'était donc de l'argentique exclusivement. Et ce qui me plaisait, c'était le moment de la prise de vue, mais aussi le moment du développement du tirage des images dans la chambre noire. Et j'avoue que j'ai passé de longues heures et de longues années d'ailleurs à faire de la photo, de reportage. Et puis après, je suis rentrée au journal François, donc qui était un quotidien. Donc c'était une autre forme de reportage. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à mon compte un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai rapporté beaucoup de photos. Et c'est pour ça que je ressens une vraie affinité avec Harold, notamment en regardant ses photos de reportage et dans des pays où je suis allée comme l'Inde, puisque j'ai passé beaucoup de temps en Inde. Ces photos se situent entre ce réalisme anatomique à la Géricault et ce ténébrisme du Caravage, avec sa personnalité à lui, parce qu'après tout, c'est bien beau de faire des références, et pas les moindres, mais avant tout, ce sont les photos d'Herman qui sont très singulières. Et on voit vraiment l'étendue de son regard, à la fois dans les photos de reportage, où là il s'efface, il n'est vraiment qu'un témoin, qu'un œil. Et puis au contraire, où on est vraiment dans un travail de mise en scène, où là on pourrait même se rapprocher plus de photographes comme Mapplethorpe ou comme Roversi. Je parlais du mystère, il y a beaucoup de mystère, de flou chez Roversi. Moi c'est un travail que j'aime beaucoup. Newton, bien sûr, Helmut Newton.
Mais voilà, on sent toutes ces influences qui se sont concentrées dans ce personnage très multiple, puisqu'il ne faut pas oublier que la photo, ce n'est pas son premier métier. Et je pense que ça nourrit son œuvre aussi, puisqu'il y a quand même un rapport à la chair dans son vrai métier. Et qui ont réussi, toutes ces influences ont réussi à faire naître un photographe tout à fait atypique, singulier, et en lequel je crois vraiment. Ce qui me touche chez Harold Herman, c'est qu'il arrive véritablement à créer son propre monde imaginaire. Et ça, je trouve que c'est un talent qui est assez rare. Encore une fois, on fait tous des rapprochements, chacun fait le sien, mais finalement, à l'arrivée, c'est vraiment son monde qu'il nous raconte. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il prend en tant que modèle des personnes de la vie quotidienne. J'en ai eu l'exemple autour de moi, et des vrais gens, comme on dit. Et ça, je trouve que ça donne aussi une épaisseur à ces photos. On n'est pas dans un monde de papier. Il y a une réalité des chairs, il y a une réalité de l'esprit. Et il a quelque chose à dire, comme ces personnages ont quelque chose à dire. Salut, je m'appelle Willow, j'ai 25 ans et ça fait 10 ans que je suis modèle. Ce qui me plaît le plus dans le travail d'Harold, c'est les tableaux qui sont grands et qui racontent une scène. C'est pas une scène de vie, c'est une scène de société. C'est une espèce, enfin, moi, je vois ça comme une caricature de la société avec chaque personnage qui représente en réalité quelque chose. Il y a aussi une grosse particularité sur les shootings d'Harold, c'est que en fait on le voit pas. En fait, il y a une espèce d'équipe d'une vingtaine de personnes. On me dit où aller, donc monter, me faire maquiller, coiffer, etc. Donc je passe quelques heures sur la préparation avec les modèles, les maquilleurs, les coiffeurs, l'ADA, le stylisme, etc. Et donc pendant tout ce temps-là, je ne vois pas Harold. À un moment donné, je vois Harold en coup de vent passer avec un expresso, un petit café dans la main. Et ensuite, donc on descend tous dans le studio pour le shooting. Et là, je vois Harold derrière son objectif, les 5 minutes de photo, et ensuite c'est terminé. Donc en fait, si on veut vraiment voir Harold, il faut lui proposer de le voir un autre jour qu'un jour de shooting. Je m'appelle Philippe Guédon, je suis éditeur de livres photographiques et de magazines, avec notamment un titre phare qui s'appelle Normal Magazine, qui est un trimestriel print et online consacré à la photographie, orienté et consacré à l'art du nu, jumelé avec de la mode et de la mise en scène. On a travaillé avec des grands photographes, David Bellé, Hélène Vandenvoort, Nick Knight, Ray Kwenko, Rancinan, etc., et de nombreux Crudson. Et ça m'a permis de rencontrer Harold Herman, qui progressivement est devenu un ami et un très bon ami, avec qui on a fait des shootings photos, avec qui on a eu de nombreuses aventures, qui fait des expositions maintenant, qui a la gentillesse de faire partager avec moi. Ce qui est admirable chez Harold Herman, c'est effectivement cette mise en scène. C'est des constructions opulentes, riches, chargées d'histoire de l'art notamment. En référence à la peinture, à la sculpture, à la mythologie, à la poésie. C'est riche, c'est de la pure mise en scène, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de photo de rue, c'est pas un Lindbergh. Il va chercher à créer une atmosphère, à donner une dimension épique, picturale à sa photo, à sa réalisation, à son art, avec de nombreux modèles, avec de grosses équipes, des stylistes, des make-up, des coiffeurs, des assistants, de nombreuses lights, un truc chargé qui va faire ressortir les couleurs, qui va faire ressortir ces femmes qui sont l'objet et la cible même de ces photos, et esthétiser, valoriser la beauté féminine, la beauté des gens, des individus, c'est le souci du détail. Il y a de nombreux personnages, il y a des hommes, c'est exact, mais pour moi, les personnages centraux restent des personnages féminins, avec tout type de femmes. Il y a des femmes tentatrices, il y a des femmes enfants, des femmes diablesses. Tous les types de corps sont valorisés, des femmes tatouées,
Voilà. James Vill, photographe fondateur du laboratoire Photolab. Le tirage d'une œuvre, c'est une collaboration entre le photographe, le post-retouche, le post-de-tirage. C'est une mise en relation de tous ces corps de métier afin d'avoir un résultat final optimal et parfait. Alors, on s'est rencontrés via un ami commun. Il est venu, on a fait des premiers tests. Ces premiers tests ont été assez concluants. Et puis, on est allé plus loin parce que Harold a des images avec des teintes qui sont pas faciles à aller chercher. Et il a fallu, même nous, faire de la recherche, aller plus loin dans les calibrations des papiers pour aller ressortir ces informations. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a rentré un nouveau papier pour ces images. Le photorag Barita n'était pas au catalogue à ce moment-là, et on l'a fait rentrer pour son travail pur et dur. Et aujourd'hui, on en fait bénéficier, enfin, grâce à Harold, le laboratoire travaille avec ce papier. Harold, c'est devenu un ami, c'est devenu quelqu'un de... Dans la photographie, c'est quelqu'un... de spécial, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours aller plus loin. Et forcément, pour nous, laboratoire, c'est forcément un moteur, parce que c'est quelqu'un qui est sain dans son travail et sain dans son approche, qu'elle soit artistique, financière, budgétaire, tout est important. Et tout est réfléchi ensemble, on partage, il n'y a pas de tabou. Et on travaille en confiance, et je crois que c'est la plus belle des récompenses pour nous du moins. Je m'appelle Sébastien, je suis un artiste, coiffeur, créateur, masseur tantrique. J'ai rencontré Harold sur Instagram. Tout bêtement, je scrollais et j'ai vu son travail, que j'ai trouvé magnifique. C'était des barbus, c'était des tatouages. J'étais barbu, j'étais tatoué, et donc je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il avait besoin d'un modèle. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il m'écrivait en même temps qu'il voulait travailler avec moi. Donc on a fait une conjonction de volonté au même moment grâce à Instagram. En tant que coiffeur studio, j'ai l'habitude de travailler avec pas mal de photographes. Harold a une délicatesse et une grandeur d'âme que je connais pas ailleurs, où mon travail en tant que coiffeur ou en tant que modèle est pris en compte. Et il y a vraiment un intérêt, une interaction en fait sur la photo, même si globalement la mise en scène et la photo lui appartient, il prend en compte le travail de chacun. L'une des premières fois où j'ai travaillé avec Harold, ça a été à l'hôtel Maison Souquet. C'était un endroit intimiste, on était deux. Je jouais un tsar avec une femme magnifique. Et puis la deuxième fois où j'ai travaillé avec lui, on était 50 personnes sur 3 étages. Je m'occupais à la fois de coiffer les gens et j'étais modèle en même temps. Et pourtant, il y avait une ambiance très décontractée. Il arrive à prendre des photos en 3 secondes, comme ça. On n'a même pas le temps de se poser. En fait, c'est très très organisé et en même temps, c'est super libre. J'ai travaillé sur la série Liberté, Égalité, Fraternité. J'étais la fraternité, j'ai eu la chance de jouer Jésus le temps d'une photo. Quand j'ai commencé à bosser, il faut savoir qu'il y avait deux Jésus, il y avait moi et il y avait un Jésus qui avait l'âge de Jésus quand il est mort. Donc j'avais peu de chance d'être le Jésus, mais j'étais content d'être là et de faire enfin ce que je rêvais de faire depuis toujours, aller mourir sur la croix. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coiffé un peu tout le monde. C'est une sacrée organisation. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur ce shooting. Et puis, le premier Jésus passe sur la croix. Et je me dis toujours, c'est dommage. Moi, j'aurais vraiment, pour le fun, voulu être Jésus vraiment. Et c'est à mon tour. Donc je monte sur l'escabeau, Harold me dit fais attention, je dis non mais j'ai l'habitude, alors que j'avais jamais fait ça, et je me suis installé directement dans la position telle qu'il fallait, il a fait un clic et c'était terminé, il fallait que je descende, mais j'ai même pas le temps de m'amuser en fait, donc voilà, je suis redescendu et je suis devenu un être humain.
m'appelle Henri Jobé Duval. Je suis dans le monde de l'art depuis ma naissance, quasiment, puisque ma famille est impliquée dans le monde, pas seulement d'ailleurs le monde de l'art, mais le monde de l'art et les métiers d'art, d'une certaine manière. À 21 ans, j'ai ouvert une galerie où j'ai montré Soulages, Hartung, Titus Carmel, Velikovic, enfin un certain nombre d'artistes, mais à travers des œuvres qui me paraissaient plus abordables pour le public régional. Et puis malheureusement, la galerie n'a pas très bien fonctionné, j'ai été obligé d'arrêter. Et puis par hasard, en venant à Paris, on m'a dit « Ah, il y a quelqu'un qui a un projet, qui voudrait monter peut-être, qui monte des expositions ». Et il voudrait te rencontrer, et on a fait la fiacre. Je vous la fais très courte, mais bon. Donc on a commencé pour 3 mois, et ça dure toujours. Je l'ai encore vu la semaine dernière. C'est un personnage absolument exceptionnel. C'est un travail qui ne laisse pas indifférent, qui interpelle, qui m'a touché d'une certaine manière, parce que, évidemment, toutes les références culturelles, historiques que l'on trouve dans cette photographie, qui fait référence à la peinture, bien entendu, parce que c'est comme une... je trouve comme une peinture, une photo-peinture, ou une peinture photographique. Il y a en même temps assez d'humour, en fait. C'est assez décalé. Et donc, il y a des, sans arrêt des allers-retours, des réflexions que l'on peut faire par rapport à une histoire passée et une histoire présente. Et une histoire présente qui annonce un futur, et un futur imaginaire. La dimension poétique de ce travail fait qu'on est dans un photospectacle, quoi. On sent à quel point chaque détail, aussi bien dans les détails de la matière photographique et de la matière lumière, que dans les objets, la posture des personnages, le choix de ces personnages, il y a un engagement, quoi, de la part d'Harold. Et ça, je trouve ça, c'est assez poignant. Alors, Harold Herman, je le connais bien. On a beaucoup échangé sur la photo. Il est venu à l'atelier. Et je peux dire que c'est un des rares photographes frangins, on va dire. C'est un photographe dont je me sens assez proche parce que, comme moi, c'est un des rares photographes-auteurs en France qui est assez fou pour passer des mois sur une seule et même image. La première fois que j'ai vu son travail, c'était une série qu'il avait fait dans une chambre d'hôtel, et je trouvais déjà qu'il y avait une grande élégance, en fait une vraie maîtrise, et pour moi, élégance dans le en matière de production artistique, c'est un des plus beaux compliments. Ça veut dire que c'est juste et équilibré. Et en fait, il a gardé cette élégance-là, même quand il est passé dans des compositions beaucoup plus complexes. Et en fait, il s'est nourri beaucoup, beaucoup de tout l'univers pictural européen, on va dire même de la peinture flamande jusqu'à la sécession viennoise et tous les peintres symbolistes. Finalement, il y a beaucoup de symbolisme dans ces images. Il y a beaucoup de Klimt. Il y a cette poésie là. Et donc il y a quelque chose d'assez cohérent entre ses débuts et aujourd'hui, ce qui est déjà très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une homogénéité dans le travail et une homogénéité dans la manière d'aborder l'image. Et puis tout simplement, c'est drôle. En fait, moi, ces compositions ont plein de petits détails cachés et qui racontent. Pareil, je me sens assez proche de lui parce qu'il est, il tient une sorte de chronique sur le monde actuel. À travers le prisme de l'esthétisation, il y a une sorte d'esthétique de l'absurde, une sorte de romantique de l'absurde, et ça me parle beaucoup. Voilà. J'aime créer des tableaux symbolistes où j'essaye en fait de mettre dans l'image plusieurs symboles, plus ou moins cachés, en me servant de personnages mythologiques, d'accessoires ou même dans le décor. Et très souvent, j'aime mettre des crânes, ces vanités, donc parce que j'ai toujours été marqué par l'impermanence des choses, et notamment de notre nature humaine.
probablement influencé par mon métier d'anesthésiste réanimateur. Et ces vanités sont là pour nous rappeler que nous sommes de passage. Thank you.